This is for Monk. Thank you.
Pharoah Sanders, qui s'est présenté au public de Nice lors du premier concert, c'était le 18 juillet, au même programme, il y avait le guitariste Larry Coryell. Pharoah Sanders est un musicien dont la musique est à la fois intense et élégante, puissante et raffinée, empreinte d'un lyrisme d'une profondeur tout à fait étonnante. Nous allons l'entendre, il joue du saxophone ténor, de la flûte, du saxophone soprano, des tambourins et même du senza, qui est un petit piano à pouce africain. Nous allons l'entendre en compagnie du pianiste Lonnie Liston Smith, du contrebassiste Cecil McBee, du batteur Jimmy Hobbs et du bongoïste Lawrence Kirian. Le thème qui va être joué est une composition personnelle de Pharoah Sanders, ou le thème qu'on ne peut, ce qui est important, ce sont les variations autour, les longues improvisations. Le morceau s'intitule « Jamil ». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bien, cette émission nous aura donc permis d'entendre tout d'abord le violoniste Stéphane Grappelli, ensuite nous avons entendu Herbie Hancock et à l'instant même nous venons de diffuser un enregistrement de Pharoah Sanders. Thank you.
À Nice, c'est du saxophone ténor, du saxophone soprano, des flûtes, du senza, des tambourins et de différentes sonailles africaines. Pharoah Sanders était accompagné par Lonnie Lison Smith au piano, Cecil McBee à la contrebasse et Jimmy Hobbs à la batterie. Il y avait également un joueur de bongo, Lawrence Kirian. Bien, nous allons entendre un thème composé par Pharoah Sanders et qui s'intitule « Comme un negro spiritual, let's go in the house of the Lord ».
Thank you.
Jérôme Badini, les légendes du jazz, France Musique.
Badini, les légendes du jazz, France Musique.
Oh.